À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du match de rugby France-Angleterre dans le cadre du tournoi Destination 2020. Match à domicile pour l'équipe de France et match d'ouverture également pour cette équipe de France. France-Angleterre, l'équipe de France qui depuis 2010 n'avait pas battu l'Angleterre plus de 3 fois. Donc c'est quand même un très bon résultat que le score qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Alors, faut savoir que dans la première mi-temps, l'équipe de France a marqué deux essais transformés. Un dès la sixième minute avec Rates qui a été transformé. Et un autre avec Charles Olivon, le capitaine français à la 20e minute. Une pénalité à la 16e minute par Romain Ntamack a été également mise. Ce qui fait que les Français menaient 17 à 0 à la mi-temps. Et l'Angleterre était vraiment en difficulté. L'Angleterre qui a attaqué à plusieurs reprises, il y a eu pas mal de phases de jeu. Mais à chaque fois, une équipe de France très forte défensivement durant cette première mi-temps, cette première période, qui a été vraiment impressionnante. Tant du point de vue offensif où il y a eu du réalisme, il y a eu vraiment de la précision sur les passes notamment et sur la finition, ce qui a permis aussi à l'équipe de France de marquer deux essais transformés face à une équipe d'Angleterre qui défendait plutôt bien. Il y a eu aussi de bons contacts, une équipe de France physiquement qui était au-dessus des Anglais franchement, et ça a fait la différence parce qu'on progressait et puis on arrivait forcément au bout d'un moment à obtenir une pénalité. Il y a eu très peu de fautes finalement des Anglais, mais à chaque fois on a été là avec notre buteur Romain Ntamack pour notamment transformer la pénalité et surtout les essais qui sont très importants à transformer, notamment au cumul des points. On aurait pu perdre ce match dans le cas où on n'aurait pas tout transformé par exemple. Dans la seconde période, ça a été difficile d'entrer parce que l'Angleterre elle a mis un gros tempo, certainement un briefing de l'entraîneur. Donc dès la 58e minute, on a eu un essai. Il faut savoir que toute la deuxième période, tout le début, on était vraiment devant l'embut français, devant vraiment le but. Et c'était impressionnant, la défense française qui ne cédait pas. Puis finalement, au bout d'une heure de jeu, on a un petit peu craqué physiquement, il y a eu un essai transformé directement. Et un deuxième à la 65e minute. Donc là, on a commencé à avoir peur. Un doublé de Johnny May qui avait mis déjà un triplé à l'équipe de France lors de son dernier match du tournoi Destination l'an dernier. Et puis on a eu une pénalité de mise par Owen Farrell. Et le score final est quand même de 24 à 17 puisque la France a réussi à résister. Et puis à la fin, juste à la 80e minute, Farrell a transformé une pénalité pour réduire le score. Mais un très beau score quand même avec 7 points d'avance pour. Simplement cette équipe de France qui s'impose pour son premier match, qui s'impose face au vice-champion du monde et qui va donc démarrer ce tournoi Destination de façon optimale. Sachant que notre prochain match sera face à une équipe d'Italie en difficulté, on peut aussi accumuler la confiance avec notre nouvel entraîneur Fabien Galthié. Et c'est de bon augure pour la suite de ce tournoi Destination. Et en tout cas, on espère bien sûr un bon classement dans ce tournoi. Donc, à voir aussi ce que va donner l'Angleterre face aux autres équipes. Imaginons que l'Angleterre perde face à une équipe d'Irlande, on aura quand même du fil à retordre d'aller battre par exemple une équipe d'Irlande, des Gallois. Et puis les Italiens, c'est un peu plus simple à jouer quand même, on va pas se le cacher. L'Écosse, ça reste à voir, c'est quand même une bonne équipe, mais un petit peu plus fragile du point de vue physique et aussi du point de vue précision que les autres. Mais vraiment, les équipes à appréhender, ça sera Irlande et surtout les Gallois qui ont l'air dans une forme assez imposante et qui nous ont éliminés. D'ailleurs de la Coupe du Monde de rugby pour quelques points seulement, mais ils nous ont quand même éliminés. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications pour d'autres vidéos de ce genre. Je vous rappelle qu'on va suivre le tournoi Destination 2020 en intégralité sur ma chaîne YouTube et je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao la team, ciao les fratés.